Coucou à toutes, comme promis, voilà le tutoriel on stroke printanier. Donc je commence par poser ma base pochée. Ensuite, je vais déposer mon vernis, mon beau vernis vert Kiko, par deux couches. Je pose mon top coat mat pour avoir une meilleure adhérence de la peinture acrylique. Maintenant, vous pouvez attendre que votre vernis soit très sec et poncer légèrement la surface du vernis pour encore avoir une meilleure adhérence de la peinture. Ça, c'est selon les goûts de chacune. Je trempe ensuite mon pinceau biseauté dans l'eau et je viens par après appuyer entre mes doigts pour enlever l'excès d'eau et redresser les poils du pinceau. Je trempe ensuite le bas de mon pinceau dans la peinture verte et l'autre côté dans la peinture blanche. On dégrade sa peinture dans les deux sens. Avoir un beau fondu de couleur. Donc ici, dès le départ, vous devez avoir votre pinceau en biais, pas droit. Vous commencez de biais, faites glisser tout en remontant et tout en redressant votre pinceau pour qu'il revienne droit pour arriver à faire une pointe. Arrivé à cette pointe, vous faites exactement la même chose mais dans le sens inverse. Simplement. Donc là, je vais refaire le dessin pour vous remontrer. Donc, bien en biais, vous appuyez, vous vrillez légèrement votre pinceau, vous le redressez pour qu'il arrive droit pour faire la pointe. Et pour l'autre côté, vous commencez du haut de la pointe, vous tirez vers le bas tout en vrillant votre pinceau pour arriver à terminer votre fleur. Vous attendez que votre peinture sèche un peu pour pouvoir poser la deuxième couche. Je fais exactement la même chose pour le bas de l'ongle. Je mets mon pinceau en biais. Je remonte doucement tout en le remontant pour faire la pointe. Et pareil de l'autre côté. Ensuite, avec votre peinture acrylique verte, vous allez la diluer pour essayer d'avoir des traits presque translucides. Et ensuite, vous allez reprendre la même peinture verte, mais non diluée, pour refaire des traits un peu plus foncés. Maintenant, rien ne vous empêche de faire que des traits non dilués ou que des traits dilués. Ça, c'est un peu comme vous vous sentez hein, au moment venu. Vous prenez votre peinture acrylique blanche, diluée, vous faites bien le petit cœur de votre fleur et vous venez repasser par endroits sur les traits verts que vous avez déjà dessinés pour donner un effet de profondeur et un peu de couleur et un peu de lumière, tout simplement.
terminé, je pose mon pochet top coat. Je borde bien à l'ongle pour bien protéger mon nail art. Et voilà, mon nail art est déjà fini. Et oui. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à la partager, à vous abonner sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et voilà, j'espère qu'elle vous aura été utile. Et je tiens aussi encore à vous remercier pour tous vos commentaires et tout votre soutien depuis que je fais ces vidéos-là. Ça me touche vraiment beaucoup. Voilà, à très bientôt pour un nouveau tutoriel. De gros bisous !